Chaque semaine, juste après Drag Race France, le service public propose une petite pastille animée par Paloma et dans laquelle la gagnante en titre commente l'épisode inédit qui vient d'être diffusé. Alors que France 2 vient de lancer la saison 2 de Drag Race France avec, la semaine dernière, la première reine éliminée parmi les 11 au casting, Kiddy Smile, Daphné Burki et Nikki Doll enchaînent ce vendredi 7 juillet avec l'épisode très attendu du talent show. Diffusé dès 18h sur France.tv puis à 22h45 sur France 2, ce deuxième numéro sera de nouveau suivi de Drama Queens, chez Paloma. Ce format course 15 minutes offre chaque semaine à Paloma, gagnante en titre de Drag Race France et à une ancienne candidate de la saison 1, de découvrir et commenter l'épisode qui vient juste d'être diffusé. Paloma, de Drag Race France à Drama Queens, une sorte de l'amour vu du pré version talon et paillettes délirantes entre bienveillance, conseils aux petites nouvelles, retour d'expérience et partage de souvenirs. Si l'heure de diffusion est tardive, les couches tôt peuvent toujours rattraper le programme de Paloma en replay via le site de France Télévisions. Avec la programmation en seconde partie de soirée de Drag Race France et la multiplication des formats autour de ce concours tout droit venu des États-Unis, le service public montre qu'il compte plus que jamais sur la pérennisation de cette marque qui véhicule des messages de tolérance et de respect. Les projets autour des drag queens se multiplient. Il faut dire que depuis la fin de la saison 1 de Drag Race, les opportunités se multiplient pour la communauté drag. Davantage sollicitées lors de soirées et dans les médias, les drag queens ont ainsi vu Paloma devenir chroniqueuse dans Quotidien et intégrer le casting de la série Balthazar sur TF1. NRJ 12 a également consacré un prime à ses Perfect Queens lors d'un show en couleur. À la rentrée, Sisplay proposera de son côté un nouveau programme avec la Big Bertha, saison 1. Quant à Romain Eck Cookie Kunti, au casting de la saison 2 de Drag Race France, il a même été dans la sélection des révélations masculines des Césars 2023. Les drag queens ont plus que jamais le vent en poupe.